Oh Yann, tu es là? Oh, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir? Qu'on s'est quitté, eh ben, on est passé devant Douvres et le Pas-de-Calais de nuit, avec quand même pas mal de vent et des bancs de sable et pas mal d'empannage très rapide pour se refiler entre les rails des cargos et les bancs de sable. Et puis après, l'autre aventure, c'est qu'on a découvert un truc qui n'était pas sur notre carte marine. Un champ d'éoliennes gigantesque, dont on a été obligé de faire le tour. Heureusement, c'était pleine lune et il n'y avait pas de brouillard, mais la surprise aurait pu être de taille. Et puis, toute la nuit, un rythme un peu d'enfer avec des changements de voile, du mal à trouver les bons réglages un petit peu de bricolage. Et puis voilà, lever du jour, du grand soleil, on est à mi-hauteur de la remontée de l'Angleterre. On est en face de Newcastle. Ah, je ne sais pas s'il y a une équipe de foot là-bas, j'ai cru entendre que ça joue un peu au football là-bas. Prochaine grande ville, à peu près à 4 heures de route de nous encore, c'est Édimbourg. Donc voilà, on a préparé nos kilts et avec ce temps ensoleillé, mais humide, le kilt va être parfait. Dehors, c'est la machine à laver. Mais ça va plutôt vite, donc c'est bien, on fait des milles.